Bonjour à toi cher spectateur, Illusions perdues de Xavier Giannoli s'avère d'être un sacré gros morceau de cinoche, dans le sens où c'est l'adaptation d'un roman réputé impossible à transposer à l'écran, et clairement quand on voit le pavé de Balzac qui fait quasiment 1000 pages, on comprend pourquoi c'est défini ainsi. Au-delà de ça, c'est le nouveau long-métrage de Xavier Giannoli, personnellement un cinéaste que j'apprécie beaucoup, dont je trouve le travail extrêmement ambitieux et souvent assez passionnant. Il a toujours été un peu en marge de tous les autres cinéastes français que j'ai eu l'occasion de découvrir. Et son film avait l'air d'être, comme ses autres métrages, complètement atypique. Le résumé pour faire simple, Lucien est un jeune homme de 20 ans, plein d'espoir et de passion pour la poésie qu'il estime être son art de prédilection. Épris d'un grand amour pour une baronne avec qui il a une affaire, il va décider de la suivre pour se rendre à Paris et y trouver une renommée. Il est indéniable que Illusions perdues va plaire à un certain public et risque d'en laisser un autre clairement de côté. Personnellement, j'ai beaucoup été attaché à ce métrage parce que j'ai senti une telle passion pour le roman de Balzac et une telle envie de vouloir nous proposer une œuvre de cinéma qui soit vraiment grandiose, extrêmement majestueuse, qui prenne son temps, qui a un côté très lyrique, très poétique dans sa forme, que j'ai pas pu m'empêcher d'apprécier le film et même d'y passer un excellent moment. Pour autant, je peux comprendre que quelqu'un qui débarque devant ce film, qui a envie de voir un métrage en costume, mais qui ne s'attend pas forcément à voir un film inspiré d'une œuvre de Balzac, va peut-être être déconcerté par la forme que prend le long métrage, par le côté très foisonnant de petits détails et surtout très lyrique dans la composition à la fois de la voix off, des mouvements de ce personnage. Il y a tous ces petits trucs-là qui font que c'est une œuvre qui est clairement particulière. Pour autant, c'est absolument dingue ce que Xavier Giannoli a fait là. Vraiment, en termes de composition, en termes de structure, en termes de force d'impact cinématographique, c'est une œuvre qui arrive réellement à nous embarquer du début à la fin dans un pur concept de cinéma que je trouve assez génial. Il y a ce côté vraiment impérial dans le choix des costumes, dans le choix des décors, dans la manière avec laquelle le récit avance, dans ce côté hyper punchy et très rythmé. C'est un film qui fait 2h30. Personnellement, j'ai eu la sensation que les 2h30 étaient assez courtes parce qu'il y a vraiment beaucoup d'énergie qui se dégage de l'ensemble du métrage. Il y a vraiment un travail de montage, un travail de mise en scène qui est très dynamique et j'ai trouvé que du coup, ça transpirait chaque image du cadre et réellement, c'est un film qui, malgré des petites maladresses assez évidentes, transpire une telle sincérité qu'on ne peut pas ne pas l'apprécier. Les grandes adaptations assez folles rocambolesques de grands succès de la littérature ont toujours existé. Mais les adaptations des plus grands pavés de l'histoire de celle-ci, considérées comme des morceaux majeurs et incontestables de sa vertu, sont plus rares au cinéma, souvent considérées comme étant de véritables casse-têtes. Pour autant, Xavier Giannoli a choisi de porter à l'écran pour sa nouvelle œuvre un roman réputé impossible à transposer sur une toile, l'immense morceau de littérature de Balzac, s'offrant à nous comme une œuvre lyrique, poétique, humaine et sensible, centrée sur un homme et ses rêves pour donner lieu à une immense réflexion sur la perte d'innocence, mais surtout sur la quête d'une vie impossible à trouver en restant justement innocent. En termes d'écriture, donc le scénario est inspiré du roman d'Honoré de Balzac, écrit donc par Yves Stavrid et Jacques Fietchi ainsi que Xavier Giannoli. Xavier Giannoli s'étant chargé seul de l'écriture du scénario et aidé par les deux autres pour les dialogues et la structure du récit. Clairement, c'est un film qui prend Lucien comme étant un personnage qui va être le véhicule parfait pour que le spectateur rentre à fond dans son récit. Mais ça, Honoré de Balzac l'avait déjà compris lorsqu'il avait écrit Illusions perdues. Il savait que le spectateur avait besoin d'un véhicule émotionnel assez simple et assez proche de lui pour réussir à se laisser embarquer finalement dans cet univers et dans cette bourgeoisie parisienne, pour se laisser complètement surmener par tout ce qui se passe et par ces petits détails. Et je trouve qu'en termes de pur cinéma, construire ainsi un tel récit, construire ainsi un tel personnage, construire ainsi une telle évolution, ça rend hyper bien l'écran. Parce qu'il y a ce côté rise and fall, il y a ce côté à la Scorsese où vraiment on voit un personnage partir de rien, tout avoir et tout perdre d'un seul coup. Et dans cette logique cinématographique, le film transpire une telle passion, une telle puissance, une telle maîtrise, qu'on se laisse emporter là-dedans. Dans ce flot de lyrisme, de poésie, d'intensité dramatique, de retournement de situation, de trahison, de tout ce que vous voulez. Et c'est ça finalement qui porte l'ensemble du scénario. Certes, ça n'a rien de nouveau. Et vous connaissez par cœur déjà ce genre d'histoire, dans le sens où on sait exactement dans quelle situation va se retrouver ce personnage, qui va le trahir instantanément, instantanément où il arrive à l'écran, qui va avoir un impact sur finalement toute son avancée dramatique. Tous ces petits détails-là, on les connaît par cœur. Pour autant, ça ne pète jamais l'immersion d'un scénario qui est vraiment écrit d'une main de maître par trois auteurs qui ont envie de porter l'œuvre de Balzac et d'en faire quelque chose de plus et surtout quelque chose de cinématographique. De Balzac, Giannoli, Stavrid et Fietchi gardent surtout le lyrique, par le biais de cette voix off, portant le récit avec une certaine maestria, mais résonnant aussi comme le poids d'un auteur ayant tellement imprimé de son style à la trame même de son récit qu'il est finalement impossible de l'en dissocier. Cela donne lieu à ce scénario, assez magnifique par de nombreux aspects, mais également très manichéen dans son développement des protagonistes et l'acheminement de sa dramaturgie, donnant lieu à ce script particulièrement soigné dans sa construction, mais dont les accents un peu trop littéraires accompagnant le héros peuvent clairement laisser de marbre. En termes de mise en scène, Xavier Giannoli a toujours eu cette finesse d'esprit et cette logique de composition qui font de ses longs métrages des moments de cinéma terriblement atypiques. Et clairement, encore une fois, Illusions perdues va dans cette optique-là. C'est un film comme on n'a pas forcément tant que ça l'habitude d'en voir au sein du cinéma français, que ce soit au sein du cinéma de costume ou que ce soit au sein du cinéma lyrique. C'est ce que j'aime chez Xavier Giannoli. Il est capable de changer de genre avec une telle aisance et une telle facilité qu'il est capable de passer à un thriller sur une jeune femme qui potentiellement aurait vu la Vierge, à un film sur un mec qui devient une superstar sans savoir pourquoi, à un long métrage qui nous raconte l'histoire d'un homme qui veut construire une autoroute sans avoir quoi que ce soit niveau permis. Tous ces petits trucs-là, tous ces récits portent finalement un message commun, celui de personnages qui deviennent des héros de cinéma sans réellement l'avoir souhaité. Et ici, encore une fois, c'est ce qui transpire dans son long métrage et c'est surtout ce qui montre à quel point Xavier Giannoli est capable de porter un film et de lui donner une iconographie et une imagerie qui sort de l'ordinaire. Visuellement, le film, certes, on va pouvoir le comparer à certains de ses modèles, mais il n'est jamais à l'identique de beaucoup de films du genre qui pourraient sonner comme similaires. Parce qu'il y a un travail du rythme, il y a une énergie, il y a une puissance, une imagerie, il y a tous ces petits trucs-là qui ressortent et qui font que je trouve que, encore une fois, Xavier Giannoli démontre que c'est un grand metteur en scène français et qu'il est surtout capable d'emmener des récits vraiment le plus loin possible dans leur genre. Giannoli a toujours été un cinéaste fasciné par une certaine forme de démesure, par une envie de vouloir plonger avec une forme de romanesque et d'inventivité le spectateur au cœur de ses récits, et indéniablement, au cœur de cette œuvre, il cherche à puiser cela pour amener des scènes réellement brillantes dans leur composition. On ressent son envie d'immerger à fond notre imaginaire, de nourrir à partir du matériel de base ce cher Balzac, pour offrir au 7e art une vision folle et ambitieuse d'un cinéma qui certes peut tout de même sonner comme classique dans sa forme, mais qui dans sa peinture d'une époque au bord de l'implosion, sonne tout de même comme particulièrement belle. En termes de casting, on pourrait s'y perdre clairement. Je tiens à saluer tout de même la très belle performance de Lola Devers qui pour moi ressort réellement de ce long métrage au travers d'un personnage qu'elle porte avec une vraie douceur et une vraie sensibilité et j'ai beaucoup aimé son interprétation. À côté il y a Cécile de France, il y a Vincent Lacoste, il y a Louis Do De Lenquesaing, il y a André Marcon, il y a Jeanne Balibar, il y a Gérard Depardieu. Il y a trop de monde dans ce film, c'est assez hallucinant le casting qu'a réussi à réunir Xavier Giannoli pour porter son long métrage, c'est parfaitement maîtrisé, chaque personnage est à sa place. Je tiens à saluer également la performance de Xavier Dolan qui pour le coup est vraiment brillant parce qu'il porte le film par le biais de sa voix et sa voix est extrêmement charismatique et bien évidemment ses apparitions à l'écran je les trouve très belles aussi, mais bien sûr vous vous en doutez, il y a un acteur qui ressort du film. Cet acteur-là, depuis ses débuts au cinéma, je n'arrête pas de le défendre, je n'arrête pas de dire que c'est un immense acteur, je n'arrête pas de dire aussi qu'il aurait dû recevoir le César du meilleur espoir masculin. Clairement, ça aurait été totalement mérité. Bon, il ne l'a pas eu, mais je pense qu'il l'aura à nouveau très facilement l'année prochaine au travers de cette interprétation. Benjamin Voisin prouve une nouvelle fois qu'il est un jeune acteur plus que prometteur du cinéma français, en portant son héros avec une telle maestria et une telle logique de composition qu'il n'en demeure pas simplement bon, mais surtout excellent. Au bout du compte, Illusions perdues, clairement, c'est pas un film à mettre entre toutes les mains. Parce que je pense que c'est typiquement le genre de long métrage français qui a tendance à être un petit peu rédhibitoire dans l'esprit de pas mal de spectateurs. Mais j'ai envie de vous dire d'ouvrir vos chakras et de vous laisser embarquer là-dedans. Parce que oui, c'est un film en costume à la française, mais je trouve qu'il y a un esprit et une certaine forme qui portent le long métrage et qui font que ça n'est pas un énième film en costume à la française. C'est un film qui a un esprit particulier, qui a un lyrisme assez évident, qui a une poésie et une humanité qui transpirent chaque image. C'est porté par un cinéaste qui a vraiment envie de regarder le genre avec un nouvel œil. Et encore une fois, c'est bon de le dire, c'est porté par un casting absolument dingue. Donc Illusions perdues de Xavier Giannoli, si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y, c'est vraiment impressionnant. A plus.